Avec l'arrivée des Européens, en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors, ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Aujourd'hui et depuis longtemps, les grands rouleaux de l'océan Atlantique ont cessé d'être une menace. Et les ancêtres de ces jeunes ont eu bien de la chance. Pour des millions d'Africains, 15 millions peut-être, ces vagues, c'était la dernière vision de leur patrie africaine. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires. Leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturés parfois loin, à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Alors qu'au début du 19e siècle, le trafic des esclaves de la côte occidentale de l'Afrique était enfin sur le déclin, un autre trafic, non moins cruel, se développait rapidement sur la côte orientale. Le port de Bagamoyo, sur l'océan Indien, était bien connu des explorateurs européens qui y débarquaient avant de suivre les pistes de l'esclavage à l'intérieur des terres. Bagamoyo était l'une des grandes plaques tournantes du commerce des esclaves au XIXe siècle. Pour des milliers et des milliers de prisonniers désespérés, capturés dans les lieux les plus reculés, c'était la fin d'un horrible voyage au terme duquel ils atteignaient le littoral de l'océan Indien, puis étaient embarqués sur les navires des Arabes de Zanzibar. Pendant des siècles, lorsque l'Afrique occidentale fournissait suffisamment de main-d'œuvre aux planteurs du Nouveau Monde, le trafic des esclaves sur la côte est de l'Afrique
était très réduit, voire inexistant. Le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine recherchaient surtout des esclaves pour les besoins domestiques ou militaires. Sauf en Irak, pendant une brève période, il n'y avait pas de culture utilisant les esclaves en Orient. Les victimes n'en étaient pas moins des victimes, mais le trafic se pratiquait à une moindre échelle. Mais bientôt, à cause de Zanzibar, tout cela changea. Au large de la côte orientale de l'Afrique, l'île de Zanzibar était connue comme un centre du commerce de l'ivoire de l'océan Indien. Au XIXe siècle, survint une nouvelle colonisation arabe très néfaste. En 1840, le sultan d'Oman transféra sa capitale du sud de l'Arabie à Zanzibar. Le trafic des esclaves existants allait connaître une forte expansion. Les Arabes de Zanzibar commencèrent la culture des épices avec des esclaves importés du continent. Ils se mirent aussi à vendre des esclaves aux trafiquants d'au-delà des mers. De ce fait, cette véritable calamité qu'est l'esclavagisme gagna à l'intérieur du continent. En même temps que toute cette souffrance se répandait, des Européens, dotés d'un état d'esprit bien différent, arrivèrent. Ils voulaient percer les mystères géographiques du continent. D'autres générations plus tard s'intéresseraient au pôle Nord, au pôle Sud ou de nos jours à la Lune. Mais, pour Mungo Park, Livingstone, Burton et tant d'autres, les lacs et les rivières légendaires de l'Afrique lançaient un irrésistible appel. Ils n'avaient aucune intention belliqueuse. Leurs fusils, c'était pour chasser ou pour se défendre. Ces hommes n'étaient pas responsables du fait que les routes qu'ils ouvraient serviraient bientôt, bien trop tôt hélas, à d'autres hommes dont les intentions étaient bien différentes. Et qu'elles conduiraient en l'espace d'une génération à une transformation totale du continent africain. Ce qui étonne chez ces hommes remarquables, c'est qu'à de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l'or et l'ivoire, par les terres à conquérir, que par l'homme africain. David Livingstone fut la grande exception. Pour les habitants de l'Afrique centrale, il fut sûrement le plus aimé des Européens ayant foulé leur sol. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considéré comme l'une des merveilles naturelles du monde. En aval des chutes, d'autres obstacles naturels interdisaient la navigation. Son bateau à vapeur construit spécialement dut faire demi-tour. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que des amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. À Londres, les missionnaires ne furent guère impressionnés par les descriptions de ces merveilles terrestres. Pour eux, les voyages et les travaux géographiques de Livingstone signifiaient qu'ils ne se consacraient pas assez à Dieu. À Londres, on voulait des convertis, pas des cataractes. Livingstone considéra leur attitude envers les splendeurs de l'Afrique si dérisoire.
qu'il se retira de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres. Son devoir, pensait-il, lui imposait un point de vue bien plus élevé. Que les autres se chargent des choses de tous les jours. Les autres, il y en avait beaucoup. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans cette terre païenne. La passe de Mangwe est un lieu historique sur l'itinéraire de l'homme blanc vers l'Afrique du Sud. Elle commande, au sud, le passage vers le désert du Kalahari et vers la République blanche d'Afrique du Sud. Au nord, les anciennes pistes menant à Bulawayo, la capitale du royaume Matabele. La frontière méridionale de ce royaume passait par ce col, unique point d'accès autorisé par le roi des Matabele, aux missionnaires, aux négociants ou aux chasseurs européens. La plupart des missionnaires de cette époque auraient approuvé ces paroles de Livingstone. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés, et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée. Qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions. Dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Ce film de propagande missionnaire, tourné dans les années 60, le montre très clairement. As these women, whose lives have been spent in the dark shadow of fear, listen to the radiant young girls, they wonder at their joy and confidence. En écoutant ces radieuses jeunes filles, ces femmes dont la vie s'est déroulée dans la peur, s'étonnent de leur joie et de leur confiance. Elles se souviennent des offrandes si souvent faites aux fétiches qui n'ont servi à rien.
Je vous parlerai de Dieu qui, lui, ne nous demande pas de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Et elle montre à ces gens hantés par la peur le symbole de l'amour de Dieu. Sometimes the people seek out the missionary later. We have lost our faith in these jujus, they say. We want to destroy them and begin. Parfois, les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle. Some rejoice. Certains se réjouissent. D'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient. Wadi Lové. Une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Lové. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Le sermon n'est plus en langue anglaise aujourd'hui. Le pasteur s'exprime en Shona, la langue de la majorité des enfants de Wadi Lové. De toute évidence, il n'éprouve pas le besoin de mettre aussi fortement l'accent sur le péché ou sur la faute. Dans quelle mesure l'enseignement des missionnaires faisait-il partie de l'instruction coloniale? Bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. Les missionnaires arrivaient en même temps que les colons. Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula
à l'époque de la colonisation. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. D'un côté, ils prêchaient l'égalité, alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. Ils faisaient partie de l'avènement du racisme. Ils ont participé à l'avènement du racisme. Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, pour les mines et les fermes des colons. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Cependant, la chrétienté noire a su résister à cette emprise. Pour ces jeunes des écoles, des missions, la réunion du passé et du présent est une source d'amusement. Dans un autre endroit de l'école, la vieille Afrique revit. Une élève entre en transe, ressuscitant l'esprit médium, en plein cœur d'une mission chrétienne. Encouragée par ses camarades, elle reprend un ancien rituel de la croyance Shona. Beaucoup d'Africains croient toujours que ceci est le moyen qu'utilisent les ancêtres pour communiquer avec les vivants. Ces jeunes filles interprètent une scène de leur propre histoire, une scène que nombre d'entre elles ont pu voir dans leur famille. C'est une sorte de réconciliation psychologique entre le présent et le passé. Comment mesurer les conséquences de l'action missionnaire du point de vue des Africains confrontés aux réalités de ce monde? Bon, d'un côté, les colons étaient inquiets et ils ont pris des mesures drastiques pour détruire la culture africaine. Cela était contenu dans l'enseignement même de la chrétienté. Dans le même contexte, cela a engendré les contradictions qui conduisirent à la chute du colonialisme. En instruisant les gens, en les amenant dans une institution comme celle-ci, où nous pouvions rencontrer des étudiants de différentes parties du pays. Dans une institution comme celle-ci, on vous donnait un avenir national. Et il était possible, en partant, d'organiser sa vie à un niveau national. Il y a tant de leaders nationaux de ce pays aujourd'hui qui ont été instruits dans les écoles missionnaires. 9 Noirs instruits sur 10 l'ont été dans les missions. Le camarade Robert Mugabe, le premier des premiers ministres zimbabwéens indépendants, a été élevé, éduqué à Kutama, école d'une mission catholique romaine. De même, bien des leaders de l'actuel gouvernement du Zimbabwe ont été formés dans diverses écoles missionnaires du pays. Cela a donc provoqué les contradictions de la société coloniale. Comme bien d'autres faits historiques, celui-ci a eu des conséquences imprévues. Oui, tout à fait. Lorsqu'un ancien élève vient dans votre école, sans aucun doute, certains d'entre vous devraient se sentir inspirés par sa forte contribution et par tout ce que Wadi Love a produit en lui. Nous sommes donc très honorés de votre visite, Monsieur le ministre. C'est une visite historique et nous espérons vivement que lorsque vous en aurez le temps, vous pourrez revenir et voir davantage de choses à Wadi Love. Oh!
Le ministre est acclamé comme un héros en raison du rôle qu'il a joué dans la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. Et peut-être aussi parce que sa visite était l'occasion d'un jour de vacances supplémentaires. À la vue d'une telle scène, il est difficile de nier que la venue du christianisme en Afrique noire a finalement apporté beaucoup de bienfaits. Ces enfants du Zimbabwe ont devant eux des possibilités et des libertés que leurs parents n'ont pas eues. Toutefois, ce fut chèrement payé. Une grande partie de la valeur de la culture africaine a été déformée ou enfouie sous les certitudes intolérantes d'une culture étrangère. En définitive, qui sait si les bienfaits matériels de l'œuvre missionnaire ne seront pas plus durables que les bienfaits spirituels ? Car ils ont apporté non seulement l'éducation à l'européenne, mais aussi la médecine européenne. Livingstone lui-même était médecin. La pratique médicale actuelle s'intéresse enfin à certains aspects de la médecine africaine traditionnelle qui ont fait leurs preuves. Mais il n'empêche que la nécessité d'une médecine scientifique en Afrique, particulièrement en matière d'hygiène et d'accouchement, était urgente et incontestable. Ce qu'il y a de plus plaisant peut-être pour un observateur étranger, c'est la façon dont les Africains ont adopté le christianisme à leur rythme et à leur style de vie. Bagamoyo était un point de départ pour les missionnaires et les explorateurs. Mais pour David Livingstone, Bagamoyo, ce fut la fin du voyage. C'est la première des missions catholiques en Afrique orientale. C'est ici que Susie et Chuma ont enterré leur ami David Livingstone, sa dernière demeure sur le continent africain. Pendant les derniers mois de sa vie, Livingstone a constamment été entouré par ses deux dévoués compagnons, Susie et Chuma. Ce sont eux qui l'ont soigné pendant la maladie qui devait l'emporter. Après sa mort, en 1873, ils ont entrepris ce long périple africain de plus de 2000 kilomètres pour ramener son corps sur la côte. Pour cet acte plus que chrétien, ils furent désapprouvés sans explication et brutalement congédiés. Plus tard, fort heureusement, ses compagnons fidèles ont été traités moins grossièrement. Il faut bien dire cependant que Livingstone lui-même avait sa responsabilité dans cette attitude. Rappelez-vous ses paroles. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure pour élever la branche la plus vile de l'humanité. C'était un homme de son époque, bien sûr, et de telles attitudes étaient fréquentes. Mais il affirmait aussi, et ceci n'était pas courant du tout, qu'on pouvait faire des Noirs les égaux des Blancs grâce à deux bienfaits de l'Europe, la chrétienté et le commerce. Voilà ce qu'il croyait, et il le croyait encore lorsqu'il mourut. Mais qu'aurait-il pensé s'il avait pu voir les conséquences de ces deux bienfaits de l'Europe ? Pour la plus grande course à pied du monde, 27 000 candidats et des mines de diamants comme premier prix. Dans les années 1870, on découvrit près de la petite ville de Kimberley, aujourd'hui en République sud-africaine, les plus riches gisements de diamants du monde. Les Européens, à l'affût de profits rapidement et facilement réalisés, se ruèrent sur place. Cecil Rhodes, jeune Anglais arrivé en Afrique du Sud à l'âge de 17 ans, se trouvait parmi eux. Malgré son jeune âge,
Rhodes comprit très vite que le chemin de la fortune passait par celui du pouvoir. C'est en contrôlant l'industrie du diamant qu'il y parvint. Sans la moindre pitié, par d'habiles manœuvres, il s'appropria les titres de concession d'autres mineurs lorsqu'ils étaient à court d'argent. Rhodes voyait là la possibilité pour lui de devenir le roi du diamant. Son royaume allait être une Afrique où l'anglais, l'homme anglais, régnerait en maître. Il écrivit. Imaginez seulement ces lieux, actuellement habités par les représentants les plus méprisables de l'humanité. Quel extraordinaire changement s'ils passaient sous l'influence anglo-saxonne. Cet ancien film, tourné à Kimberley, donne une idée de cette attitude arrogante. Il n'y avait pas que la richesse minière, il y avait aussi de la terre à gagner. Pendant tout le 19e siècle, à partir de la colonie du Cap, les forces britanniques étendirent leur emprise sur les peuples noirs avoisinants. Jusqu'à ce que, en 1879, elles se heurtent au plus formidable d'entre eux, les Zoulous. Jusqu'alors, cette conquête par les fusils s'était bien passée pour les Britanniques. Mais les Zoulous disposaient de 25 000 guerriers en armes. Leur souverain, Cetshwayo, voulait la paix. N'avait-il pas été couronné avec l'accord des Britanniques? Mais les Britanniques, eux, voulaient la guerre. Ces diapositives idylliques, l'équivalent victorien des actualités filmées, montrait la guerre telle que la métropole voulait l'imaginer. C'étaient les beaux jours de l'Empire, et ici les forces britanniques assujettissaient une fois de plus une foule de sauvages païens avant de leur octroyer la bénédiction de la civilisation anglo-saxonne. La réalité était tout autre. À Islandwana, les Zoulous infligèrent à l'Empire britannique la pire défaite de toute son histoire. Tandis que les Britanniques se précipitaient pour enlever le couvercle de leur caisse de munitions, ils furent littéralement submergés par les Zoulous. À la fin du jour, tandis que les Zoulous célébraient leur victoire, 800 soldats de Sa Majesté étaient étendus morts. Pas un blessé n'avait été épargné. À quelques kilomètres de là, la garnison de Rooks Drift résista courageusement aux assauts de 5000 Zoulous. La puissance de feu de l'armement moderne joua son rôle dévastateur. Résolu à briser le pouvoir Zoulou une fois pour toutes, une autre force d'invasion britannique, équipée d'artillerie de campagne et de mitrailleuses Gatling à tir rapide, avança vers Ulundi, la capitale du roi. L'armée Zoulou était sur place, et ce qui s'ensuivit fut plus un massacre qu'une bataille. Quelques 1500 Zoulous moururent au cours d'une charge stérile contre les armes à feu. On estima à 12 les pertes britanniques. C'en était fait de l'indépendance de la nation Zoulou. Devenu milliardaire, Cecil Rhodes révélait alors son plan pour imposer la domination britannique à travers toute l'Afrique, du Caire au Cap. Sa toute première ambition se fixa sur les hautes terres situées au nord du Limpopo. Sur ce vaste plateau au climat agréable, il y avait des pâturages en abondance. Et dans le sous-sol, la promesse d'autres richesses minières, de l'or notamment. Mais Rhodes fut stoppé par un obstacle considérable. 60 ans auparavant, les Matabele, cousins des Zoulous, avait émigré vers le nord et fondé un royaume militaire puissant dans ce pays que Rhodes voulait s'approprier au profit des colons blancs.
La brousse a envahi les lieux depuis longtemps. Mais il y a 100 ans, c'est ici, dans cet endroit désertique, que se trouvait le siège du gouvernement Matabélé. Le roi Lobengula n'était que le second souverain Matabélé. Il devait être le dernier. Fidèle à la tradition Zoulou, ces hommes vivaient la lance à la main, rançonnant leurs voisins, les Shona, leur prenant femmes et bétail. Ils estimaient que cette terre leur appartenait de droit et en titre. À présent, par une suite de tromperies, Cecil Rhodes et ses compères arrivèrent à déposséder les Matabélés de leurs terres, de leur bétail et de leur liberté. Un jour, le roi Lobengula raconta une histoire à un visiteur blanc. Il lui dit: avez-vous jamais observé un caméléon et une mouche? Le caméléon se place derrière la mouche, puis, doucement, il avance une patte, puis une autre, et lorsqu'il est suffisamment proche, il lance sa langue et la mouche disparaît. Je suis la mouche, dit Lobengula, et vous êtes le caméléon. Lobengula avait autorisé quelques missionnaires blancs à s'installer aux abords de l'enceinte royale. Les jésuites y avaient fondé une mission, mais leur vie de célibataire n'attirait guère les Matabélés. Mais d'autres missionnaires, des protestants de confessions diverses, qui apportaient avec eux les nombreux schismes de la foi chrétienne, commencèrent à avoir une certaine influence. Mais non sans malentendu, comme cet homme plus que centenaire se le rappelle. Le premier missionnaire qui arriva ici s'appelait Helm. Et lorsqu'il disait « prions », on nous disait de fermer les yeux. On se méfiait de ce qu'il pourrait nous faire, alors on regardait entre nos doigts pour voir ce qui se passait. Près de la capitale, de l'autre côté de la rivière, se trouvait la mission anglicane de Hope Fountain, la fontaine de l'espoir. Très vite, les premiers missionnaires ont dû faire face à un véritable dilemme. Envers qui devaient-ils être loyaux d'abord? Envers les Africains qui leur faisaient confiance et qui étaient leurs hôtes? Ou envers leurs parents et amis britanniques? Le révérend Charles Helm, qui a vécu en ce lieu, a finalement fait son choix. Il était l'ami blanc de Lobengula qui lui accordait sa confiance, mais en secret, en même temps, il commença à travailler pour Cecil Rhodes. Le fait était que ces missionnaires furent bientôt convaincus, et sûrement à juste titre, comme le montrent leurs archives, que s'ils devaient convertir un nombre appréciable de Matabélés, le pouvoir du roi devait être anéanti, et la culture et l'indépendance des Matabélés détruites. Et Rhodes, ils l'ont vu, était l'homme à faire les deux. Le pouvoir de Lobengula fut de plus en plus réduit. Il en appela à la reine Victoria, mais on lui conseilla de signer des traités. Certains de ses conseillers étaient venus avec de bonnes intentions, mais ils trahirent quand même Lobengula. Le révérend Helm repose ici. Ses frères missionnaires se sont crus autorisés à inscrire sur sa tombe un ami des Matabélés. Était-il vraiment leur ami? Ou bien ses convictions profondes l'ont-elles conduit à fermer les yeux sur la trahison? En 1890, Rhodes et ses hommes étaient prêts à marcher. Voici les scènes du film Rhodes Africa, Cecil Rhodes d'Afrique, relatant la célèbre épopée pionnière à la manière d'une glorieuse légende. Presque une justification en soi de leur droit à la terre qu'ils s'apprêtaient à confisquer. « 16 000 guerriers de Lobengula
était impatient de passer à l'attaque. Mais craignant une défaite, Lobengula s'employa à les contenir. La colonne marcha vers le nord. Pour éviter un contact direct avec les Matabélé, elle traversa le pays Shona, peuple moins belliqueux. Chaque soldat avait reçu la promesse de 15 concessions d'or et d'une ferme d'environ 1500 hectares. Voici ce qu'en disait un contemporain. Un mélange comme j'en ai jamais vu de ma vie. Des hommes de toutes conditions, de l'aristocrate au truand, le meilleur et le pire de l'humanité. Une armée de briques et de brocs. En fait, certains pionniers venaient des plus grandes familles du Cap. Si l'expédition devait échouer, Rhodes savait très bien que leurs influents pères feraient pression auprès du gouvernement britannique pour obtenir une assistance militaire. Photographié par un inconnu, le drapeau anglais Union Jack flotte pour la première fois sur Fort Salisbury. Ainsi s'accomplissait le rêve de Cecil Rhodes, cette terre sera anglaise. Cette scène allait devenir légendaire. Fort Salisbury. Fondée en ce lieu sans raison particulière, devint la ville moderne de Salisbury, aujourd'hui rebaptisée Harare. Ailleurs, sur le continent, bien des villes sont nettement africaines de par leur style de vie, leur atmosphère. Ce n'est certes pas le cas ici. En l'espace de 60 ans, ils en ont fait le type même d'une ville occidentale. Ici, la hampe du drapeau commémorant l'endroit où tout a commencé. En pleine ville, on lit sur la plaque de ce monument « Au groupe de pionniers spécialement recrutés pour fonder la première population civile du pays Mashona ». Mais qui pouvait de plus se recommander de cette condition civile? Les Noirs qui habitaient le pays Mashona depuis longtemps et l'avaient fait prospérer, ou bien les Blancs qui le leur avait pris par la violence et la tromperie? Cela peut paraître une question dure à présent, mais l'expropriation des Shona était rude, elle aussi. Ils avaient colonisé la terre des siècles auparavant. Ils l'avaient maîtrisée, domestiquée, et en plus, maintenant, ils avaient perdu les droits attachés à leur origine. L'ami intime de Rhodes, le docteur Starr Jameson, était parmi les pionniers. Rhodes le choisit pour administrer ce territoire nouvellement acquis. Au sud-ouest, les Matabélé invaincus étaient toujours là. En 1892, Jameson décida qu'il était temps d'en finir avec eux. Il trouva facilement le prétexte. Bien qu'à présent les Shona soient censés être sous la protection des Blancs, ils étaient encore la cible des raids Matabélé. Un conflit au sujet de bétail provoqua bientôt la guerre dont Jameson avait besoin. Selon la plus pure tradition, les guerriers Matabélé se préparèrent à défendre leur capitale, Bulawayo, contre les troupes de Jameson qui s'approchaient. Mais qu'importe le courage des Matabélé maintenant? Car comme le chanta cyniquement un poète anglais, en cette heure périlleuse, advienne que pourra. Nous avons des mitrailleuses, les Matabélé n'en ont pas. Fuis, 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 fuis.
Les Européens avaient des canons et des fusils à tir rapide. Les Matabélés avaient bien aussi quelques fusils, mais très peu. Ils virent les fusils des Européens. Que pouvaient-ils faire? Ils n'avaient que leurs lances. Après la défaite, l'expropriation. Presque toutes les terres cultivables des Matabélés et la plupart des 250 000 têtes de bétail furent confisquées par la compagnie anglo-sud-africaine de Rhodes ou par des colons indépendants. Les structures de la vie Matabélé furent brisées. La société missionnaire de Londres écrivit à Rhodes pour le féliciter. En tant que missionnaire, nous avons peu de raisons d'avoir de la sympathie pour les Matabélés. Nous n'en avons pas davantage à nous apitoyer sur la chute de leur pouvoir. On dit que Lobengula avait déclaré à ses partisans qu'il disparaîtrait comme une aiguille dans une botte de foin, plutôt que de voir les Blancs lui toucher un seul cheveu. Il disparut effectivement. Tandis que ses guerriers essayèrent en vain de trouver un nouveau foyer au nord, de l'autre côté du Zambèze. Bonsoir, bienvenue sur notre croisière Amaa Tongayo, ce qui signifie l'eau qui nous met à l'épreuve. Mon nom est Bibi et le commandant Sanversa est aux commandes ce soir. Les colons blancs commencèrent eux aussi leur marche vers le nord. Au-delà de cette grande voie d'eau que David Livingstone avait explorée seul auparavant. Cecil Rhodes devait avoir l'insigne honneur de voir non pas une, mais deux colonies africaines porter son nom. La Rhodésie du nord et la Rhodésie du sud. Nous nous trouvons à l'endroit le plus profond et le plus étroit du Zambèze. C'est ici que les pionniers le traversèrent en 1889. Ils firent flotter leurs wagons comme des radeaux. À vivre au contact du fleuve, un grand nombre de colons tombèrent malades et beaucoup moururent de malaria ou d'autres maladies tropicales. Livingstone était mort exactement 20 ans plus tôt. À présent, les voies du christianisme et du commerce étaient ouvertes. Ici, là où Livingstone avait trouvé, selon ses propres termes, une sécurité parfaite pour la vie et pour la propriété, mais où rien de tout cela n'existait plus pour les Africains. La résistance africaine existait encore. En 1896, trois ans après, des guerriers matabélés qui avaient survécu au désastre, environ 14 000 hommes, certains armés de fusils à présent, se soulevèrent en une furieuse révolte. Ils s'abattirent sur des colonies de blancs isolés et massacrèrent plus d'une centaine de fermiers. Pris au dépourvu, les colons dans leur ensemble se replièrent à Bulawayo, dont ils firent un camp fortifié avec leurs chariots. Ensuite, les Shona, rendus furieux par les impôts et les travaux forcés dans les fermes des Blancs, se soulevèrent à leur tour. Conduits par leurs chefs religieux, Nehanda et Kagubi, ils menèrent un combat de guérilla opiniâtre qui dura plusieurs mois. Les deux soulèvements ne furent écrasés qu'en 1897. Les Européens arrivèrent et nous prirent tout, même le bétail. On nous disait, maintenant vous vous êtes rendus, vous devez payer des impôts. Si vous aviez un enfant, vous pouviez conserver une tête de bétail. Un animal par enfant, c'était comme ça. Les colons avaient subi de lourdes pertes pendant la bataille. Ils n'étaient pas enclins à la pitié. Ces soi-disant rebelles étaient traqués et quand ils étaient faits prisonniers, traités comme de dangereux criminels.
Enchaînés les uns aux autres, ils étaient traduits devant des tribunaux expéditifs et souvent pendus au premier arbre venu. Enfin capturés, les deux chefs religieux, Nehanda et Kagubi, furent pendus eux aussi. Voilà sur quelle fondation Cecil Rhodes édifia son empire. Après avoir écarté tous ceux qui lui barraient la route, Rhodes passa peu de temps dans le pays qu'il avait bâti. Après sa mort au Cap en 1902, son corps fut transporté à Bulawayo et porté en procession à travers la ville. Dans les monts Matopo, au sud de la ville, Rhodes avait une résidence d'été. Le soir, il aimait regarder le soleil se coucher sur cette vieille Afrique dans l'histoire de laquelle il avait fait une entrée fracassante. Le cercueil fut déposé ici pendant la nuit avant d'être transporté dans les collines pour y être enterré. Des milliers d'Européens s'étaient rassemblés au lieu dit « la vue du monde ». Rhodes y était venu et avait choisi ce lieu comme dernière demeure. Ainsi, Rhodes fut-il enterré au cœur du pays qu'il avait conquis. Mais faut-il considérer ce monument comme l'acte final de prise de possession ou comme une dernière insulte au peuple qui l'avait dépossédé? Certaines des pages les plus sombres de l'histoire du continent noir furent certainement écrites par des hommes d'une extraordinaire énergie, volontaires et orgueilleux, pénétrés de convictions impérialistes comme cet étudiant d'Oxford qui fonda les plus grandes compagnies mondiales de l'or et du diamant. Rhodes a suscité des jugements contradictoires. Pour le monde de la richesse, il fut et il est le puissant bâtisseur d'empire, le millionnaire bienfaiteur, le héros de l'argent. Pour le monde de la pauvreté, il demeure un pillard et un forban, le baron voleur qui s'empara de ce qui ne lui appartenait pas. Rhodes et ses hommes ont apporté le progrès matériel, et l'Afrique, c'est certain, en avait besoin. Mais ils le firent de telle sorte que les Africains ne pouvaient en avoir leur part. Ils ont privé les Africains de leur liberté, cette liberté fondamentale qui permet à l'humanité d'aller de l'avant et de se développer. Après avoir conduit l'Afrique vers d'autres servitudes, le grand épisode de la Bible et les fusils se terminait par une complète contradiction de ses auteurs. Plus que jamais, les principes et les rêves généreux d'hommes tels que Livingstone allaient être reniés, voire réduits à néant dans un proche avenir. Allez.